Alors, nous sommes déjà rendus à la septième émission de la série Survivre à la mort parce que la vie continue. Alors, aujourd'hui, je reçois Maître Mélissa Blais de l'étude de notaire et conseiller juridique Paquette Blais et Cloutier. Alors, ensemble, nous allons aborder un thème très important, extrêmement important, euh, qui permettra à votre succession de vivre, de survivre à votre mort à votre et de poursuivre votre vie. Alors, vous avez peut-être compris, nous allons parler de l'importance d'avoir un testament. Alors, Maître Blay, merci de vous joindre à nous. Ça fait plaisir. On y va tout de suite. On parle de testament. Qu'est-ce que c'est qu'un testament? Un testament, c'est un document euh, à l'intérieur duquel une personne fait part de ses volontés quant à l'attribution de ses biens mm -hmm. au moment de son décès. Donc, si je résume, euh, le testateur exprime ses volontés et en même temps peut désigner un liquidateur et euh, ses héritiers. Oui, exactement. Parlant d'héritiers, parfois on a à remplir, par exemple, les assurances ou quoi que ce soit, écrire le nom des héritiers légaux. Bon, là, on, on vise certaines personnes, mais si on n'a pas de testament, je sais qu'on va y revenir un peu plus tard, mais je pense que la question d'héritiers légaux, c'est important. Le terme «héritier légaux» dans le Code civil du Québec désigne les personnes qui doivent hériter lorsqu'il n'y a pas de testament. En okay. fait. Et on va en parler un petit peu plus loin, comme vous avez mentionné. Mais dans les polices d'assurance, ce qu'on devrait mentionner, en fait, c'est que les bénéficiaires, le bénéficiaire du produit d'assurance mmh. est la succession. Ah, OK. Oui, exactement. Point important. Exactement. D'accord. Dans une émission précédente, j'ai parlé avec euh, Madame. Euh... Manon Laplante, la directrice générale de la maison funéraire de l'amiante, de préarrangements. Est-ce que c'est bon des de avoir dans le testament ou. Euh, et ça permet. Quels sont les avantages des, pré -arrange des pré arrangements pardon Les préarrangements, en fait, euh, sont une façon de venir choisir, de venir déterminer, de venir euh, euh, faciliter la tâche, dans le fond, à nos héritiers, leur disant, ben nous, Qu'est-ce qu'on veut, euh, la façon dont on veut que nos funérailles se déroulent au mm -hmm. moment de notre décès. Alors les préarrangements funéraires enlèvent ce poids-là, dans le fond à notre succession. Donc c'est des des arrangements à notre à l'image, à notre de image, la personne, à, à nos désirs, exactement, okay. exactement. Mm -hmm. euh, donc euh, qu'on ait des préarrangements ou non, euh, on n'est pas obligé nécessairement d'en parler donc dans le testament. Okay. Euh, toutefois, je pense que c'est quand même bien d'avoir des préarrangements, justement pour faciliter d'autant plus la tâche à mm -hmm. nos héritiers au moment du décès. Oui, parce que là, c'est les émotions qui entrent en ligne de compte. Hein, Exactement. Parce qu'on a à décider qu'est-ce qu'on fait. Et euh, pour moi, j'en ai fait des pré-arrangements. Et il y a une économie de coût aussi là-dedans. Là. Oui, absolument, qui est appréciable là, parce qu'on paie le coût d'aujourd'hui. Alors mm -hmm. que si le décès survient dans 10, 15, 20 ans, c'est sûr que là, à ce moment-là, les tarifs ont augmenter. Donc, ça permet effectivement d'avoir une, une économie de coût qui est quand même appréciable. Là. OK. Maintenant, on va parler de contrat de mariage. Est-ce que ça remplace ou peut remplacer un testament? Le contrat de mariage, il faut toujours regarder, en fait, le contrat de mariage, la plupart des contrats de mariage qui ont été faits il y a quelques années mm -hmm. contiennent une clause qu'on appelle d'institution contractuelle, okay. qui veut dire... Que, dans le fond il y a une disposition testamentaire dans le contrat de mariage qui vient mentionner que au, au décès du premier des époux euh, celui qui survit hérite de la totalité des biens du premier euh, décédé mm -hmm. alors ça effectivement que ça peut remplacer un testament Toutefois, ce qu'il faut garder en tête c'est que au décès du deuxième époux le contrat de mariage ne peut plus être il utilisé plus. non exactement ou si un décès un co-décès donc on décède au cours du même événement alors, à ce moment-là, le contrat de mariage n'est pas d'aucune utilité. Là. OK. On parle de contrat de mariage, mais aujourd'hui, on sait qu'on doit parler aussi de conjoint de fait. Il y a sûrement des protections à aller chercher quelque part. Là. Oui. Les conjoints de fait, en fait, pour permettre à un conjoint de fait d'hériter au terme de la loi, donc il faut vraiment faire un testament. Il mmh. faut l'avantager dans un testament. Okay. Euh, alors euh, donc contrairement aux gens qui sont mariés, qui ont un contrat de mariage où on peut prévoir une clause mmh. spéciale, on peut pas le faire pour les, con les conjoints de fait. Donc il faut vraiment que les conjoints de fait, pour se permettre d'hériter des biens de l'un euh, et de l'autre, doivent vraiment faire un testament. OK. Surtout si on a, je ne sais pas moi, une maison en commun ou euh, oui. des choses comme ça. Là. Oui, effectivement. D'ailleurs, je pense qu'il y a une annonce à la télévision qui, passe un petit, qui parle un peu de ça. Là. Oui. Bon. Des testaments, il y en a de toutes, les, de toutes les formes, de toutes les sortes. Oui, effectivement. Sont tes... <laughs> Donc, il y a trois formes, en fait, qui sont prévues dans la loi. Oui. Donc, le premier, c'est le testament holographe, mm -hmm. qui est un testament qui est fait, qui est vraiment écrit de la main. Donc du testateur, donc écrit à la main, daté, signé, euh, donc il peut être fait sur le coin d'un bureau, sur une feuille, de façon très très informelle. Et bien important, je pense, écrit à la main et non pas. Effectivement, c'est, ou oui, 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 c'est ça, hein? exactement, exactement. Le testament holographe doit absolument être écrit de la main du testateur, mm -hmm. donc être daté et signé. Et là, à ce moment-là, donc on est en présence d'un testament holographe. Donc ce n'est pas plus formel que ça. Donc, ça, c'est la première forme. Mais est-ce qu'on a besoin que, ce que le testament holographe soit signé par un témoin XYZ? Non, non? le testament holographe non. ne requiert pas de témoin. OK. Donc, c'est le testament le moins formel d'entre tous. Mm -hmm. Ensuite, il y a le testament qui est fait devant deux témoins. Donc, le testament devant deux témoins peut être écrit par un moyen technique, donc à l'ordinateur. Oui. Toutefois, toutefois, il doit y avoir deux témoins qui sont témoins à la signature donc, du testateur. Okay. Donc, ça, c'est le testament qui est fait devant deux témoins. Donc, qui est aussi reconnu par la loi. Okay. Et il y a le testament notarié, donc, qui est la troisième forme du testament. Mais pour l'holographe et euh, le testament devant témoins, est-ce que ça s'administre de la même façon qu'un testament notarié? Il n'y a pas des. Euh, des vérifications quelconques à faire? Oui, exactement. Donc, il doit y avoir une vérification faite devant le tribunal pour les testaments qui sont oui. holographes et devant témoins. Alors, vérification qui vient attester du fait que euh, on reconnaît la signature donc, du testateur, on reconnaît son écriture. Donc c'est une vérification qui est faite vraiment euh, sur la forme du euh, de ces deux testaments là, euh, alors que le testament notarié ne requiert pas cette vérification là devant le tribunal. Okay. Alors ça peut étirer justement le processus là. Euh... Oui. Oui, absolument, absolument. C'est des coûts supplémentaires aussi qu'il faut prendre okay. en considération. Donc, euh, des fois, les gens disent :« Ben, moi, euh, je ne veux pas payer un notaire pour faire mon testament. Je vais le faire moi-même. » Sauf qu'il faut penser qu'on n'économise écon... mm. pas nécessairement des coûts parce qu'au moment du décès, la succession va devoir supporter des frais de vérification de testament. Oui, puis on va voir d'autres implications un peu plus loin euh, oui. dans l'entrevue. Oui. Alors, <coughs> on a abordé un petit peu les avantages de faire euh, un testament notarié. Et si je ne me trompe pas, le, le, test, le testament notarié, il, il prend effet dès le décès de la personne. C'est ça. Okay. C'est ça. Euh, il prend effet. C'est sûr qu'au euh, moment euh, du décès. Euh, la succession doit faire des recherches testamentaires. Mm -hmm. Donc, recherches testamentaires qui vont venir confirmer quel est le dernier testament du défunt. Alors, à partir du moment où on reçoit ces recherches testamentaires-là, qu'on a la confirmation que le mm -hmm. testament notarié est bel et bien le dernier, alors à ce moment-là, on peut l'utiliser effectivement. OK. Et si je me souviens bien, par expérience personnelle, euh, cette vérification-là prend 25 jours? Quelque mais chose comme ça. Euh, oui, euh, entre deux et trois semaines. Deux et trois semaines? Hein? Oui. Okay. <laughs> c'est ça, c'est ça. <laughs> c'est un délai qui est administratif. En fait, là, c'est oui. euh, la chambre des notaires et le barreau qui font des recherches pour euh, justement voir s'il n'y a pas d'autres testaments qui ont été enregistrés donc dans les oui, registres. Oui, absolument, parce qu'on peut en faire un testament, mais on peut euh, en le faire un autre. autre le modifier ultérieurement, effectivement. Okay. Alors, par, parmi les avantages, il y a aussi euh, la, la, la question. On a parlé de la question judiciaire. Alors, je pense que vous venez de l'aborder en disant que bon, c'est vérifié. Alors, légalement, c'est long. Le pour le testament notarié, notarié oui. oui, Oui, il n'y a okay. pas de vérification judiciaire qui doit être faite pour le testament mm -hmm. notarié. Le notaire est présumé avoir fait la vérification de l'identité du testateur, euh, de sa capacité également, oui. et euh, donc du fait que c'est bel et bien lui qui signe. Alors, on n'a pas besoin, pas besoin d'aller devant le tribunal pour oui. recevoir, dans le fond, cet aval-là. Le notaire a déjà fait la vérification au moment de la signature okay. du document. Est-ce que vous en avez une copie? Moi, j'ai la copie de mon testament. Mais est-ce que l'étude le, 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 de notaire garde une copie Toujours. toujours. Donc, en fait, la façon dont ça fonctionne, en fait, c'est que le contrat notarié, euh, nous, ce qu'on a, c'est une minute qui est originale. Donc, la copie que vous signez devant le notaire mm -hmm. est la minute authentique du document. Donc, nous, on doit toujours garder en possession cette copie-là. Le notaire ne peut jamais s'en départir. Et nous, ce qu'on vous émet, c'est une copie qui est certifiée conforme à l'original okay. que nous avons toujours en notre possession. De là la grande sécurité du document notarié. Oui, et en tout cas, je trouve ça rassurant, parce que je ne sais pas, moi, il arrive un feu ou quelque chose, on perd le, le, le testament, mais la succession, c'est que... Chez l'étude d'un notaire, on peut retrouver le, le document officiel aussi. Oui, absolument. Mm -hmm. Et, et j'irai même plus loin en vous disant qu'un notaire qui cesse de pratiquer et euh, dont le, 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 la pratique n'est pas reprise par un autre notaire, donc mm -hmm. doit déposer toutes ses minutes originales euh, auprès d'un tribunal. Donc, euh, sont conservées euh, à la cour. Donc, euh, ces minutes-là sont jamais détruites. En fait, là, sont toujours existantes. Okay. Alors, ça, ça demeure. Mm -hmm, là, on vient de voir quelques avantages euh, testament notarié. Mais on peut tu regarder euh, les conséquences de ne pas avoir de testament, parce qu'on sait que beaucoup, beaucoup malheureusement de personnes n'en ont pas, n'en ont pas fait, que ce soit holographe devant témoin ou notarié. C'est ça. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on n'a pas de testament, peu importe mm -hmm. la forme, euh, le Code civil du Québec est venu établir des règles pour déterminer. Qui va hériter des biens d'une personne? Alors, donc, ce n'est pas nous qui choisissons, c'est la loi qui choisit, mm -hmm. dépendamment de notre situation matrimoniale, familiale. Alors, dépendamment de euh, est-ce qu'on a euh, un conjoint, donc est-ce qu'on est marié, est-ce qu'on a des enfants, euh, est-ce que nos parents sont vivants, est-ce qu'on a des frères-soeurs, est-ce qu'on a des oncles et des tantes? Donc, il y a différents ordres qui sont, oui. qui sont établis dans la loi. Est-ce qu'on a un deuxième conjoint? Parce qu'il y a des divorces aujourd'hui? Oui, mais... c'est ça. C'est sûr que le conjoint, au terme d'un divorce, n'a plus de droit dans une succession à partir du moment où le divorce a été prononcé. Donc, le conjoint. Euh... OK. Oui, c'est ça, exactement. Bon. Donc, le conjoint divorcé perd ses droits au moment du divorce. Okay. Euh, toutefois, euh, donc, sans testament, c'est vraiment la loi qui va venir établir les proportions qui vont hériter. Donc, on n'a pas vraiment de choix par rapport à ça. Euh, ce qu'il faut retenir également, c'est qu'au moment où il y a décès sans testament, il doit y avoir un document qui est fait par le notaire, donc qu'on appelle une déclaration mm -hmm. d'hérédité avec une nomination de liquidateur. Donc, il faut qu'il y ait un, un contrat qui vienne établir qui hérite, dans quelle proportion, et que les héritiers s'entendent pour nommer quelqu'un qui va régler la succession. Et donc, les différents intervenants, Revenus Québec, les institutions financières, mm -hmm. demandent ce document-là pour savoir un petit peu qu'est-ce qui en est légalement euh, de la situation suite au décès sans testament. Est-ce que c'est le curateur public qui est en charge de, de, de coordonner tout ça? Ou... Non, le curateur public, puis je suis contente qu'on aborde cette question-là parce que les gens ont beaucoup de craintes par rapport mm -hmm. au curateur public. Donc, le curateur public va intervenir dans une succession seulement s'il n'y a pas personne qui souhaite hériter des biens. Okay. Okay. Donc, si tout le monde renonce à la succession, à ce moment-là... Euh, ça échoue à l'État et c'est le curateur public qui va prendre la succession en charge. Mais avant d'en arriver là, euh, il faut passer par beaucoup de gens de la famille, là, plusieurs degrés de la famille. Euh, ah oui? Oui, absolument. Par exemple? Il faut exemple, vraiment les... qu'il n'y ait pas personne qui désire avoir la comme, succession. Comme les enfants directs pourraient dire, bon, nous, on renonce à la succession. Absolument. Exemple, pour bon, raison, euh, on sait que notre père ou notre mère est endetté, puis on ne veut pas être remonté avec les dettes. C'est une situation plausible? Oui, absolument. Mais est-ce que ça veut dire que l'on va décider que c'est d'autres qui vont rembourser les dettes? Bien, en fait, c'est qu'il va falloir approcher ces autres personnes-là également qui auraient des droits suite à la renonciation okay. du premier ordre. OK. Mais ça, ça. Mais c'est toujours. Ouais, c'est toujours, toujours du cas par cas. OK, et très long. Mais <laughs> est-ce que ces gens-là qui renoncent à la succession, mais qui ont pris une assurance-vie? Ont droit à l'assurance vie, quand même. Donc, au niveau de l'assurance vie, <laughs> en fait, il y a une nuance qui est importante, c'est qu'il y a toujours deux possibilités dans une assurance vie. Soit on nomme un bénéficiaire désigné, qui est oui. une personne précise, mm -hmm. donc par exemple, M. Roger Labbé, qui est le bénéficiaire désigné, ou on peut euh, désigner la succession. Hein? Alors, euh, Lorsqu'on désigne un bénéficiaire désigné, la personne peut recevoir l'argent et ça ne fait pas partie de la succession. Donc, vous, okay. si vous êtes un bénéficiaire ah. désigné, Roger Labbé, okay. vous recevez le chèque, vous le déposez dans votre compte et ça vous appartient. Ça ne fait pas partie de la succession. Mm -hmm. Toutefois, si le chèque est fait au nom de la succession, c'est un actif de la succession. Ouais. Et si on renonce à la succession, <laughs> on renonce aussi à l'actif. À l'actif. On renonce au okay. passif, mais également à l'actif. Oh, très important, je pense. De, de, oui, une nuance importante. Une nuance importante, oui, en effet. Euh, on a parlé un petit peu de recherche testamentaire. C'est vraiment une obligation de le faire? Le Code civil du Québec mentionne qu'il faut avoir la confirmation. C'est quoi, euh, à l'effet, de euh, savoir quel est le dernier testament? Donc, effectivement, mm -hmm. qu'une obligation. Voilà euh, quelques années, euh, les, les différents intervenants n'insistaient pas tant, mais je vous dirais que maintenant, de plus en plus, euh, tous les différents intervenants, institutions mm -hmm. financières, compagnies de placement, euh, même le notaire, lorsqu'on a des transferts immobiliers à faire, oui. on doit absolument avoir les recherches testamentaires. Donc, je vous dirais là, que dans 98 ah, des oui. cas, on va exiger les recherches testamentaires. C'est compréhensible aussi, mm -hmm. surtout si on parle d'actifs, que ce soit monétaires ou immobiliers. Euh, il faut oui. s'assurer que tout est euh, dans le bon ordre. Hein? Oui, c'est surtout de venir s'assurer que euh, le, le testament qu'on qu a en main, c'est bel et bien le dernier. Donc la loi Elle dit vous... que c'est toujours le dernier testament, les dernières volontés du défunt qui prévalent. Alors si on n'a pas la confirmation que c'est bel et bien les dernières volontés, oui. bien, on n'a jamais la certitude que c le testament est vraiment celui qu'on doit appliquer. Oui, là. Tout à fait. Donc il y a un doute qui subsiste. Hein? Alors, il faut enlever tout doute, n'est-ce <laughs> pas? Des petites questions techniques. Aujourd'hui, on parle de liquidateurs. Moi, dans mon temps, on parlait d'exécuteur de, testamentaire. C'est la même chose Oui, c'est okay. la même chose. Donc, en 94, avec l'adoption du code civil du Québec, euh, ils ont changé la désignation. Donc, mm -hmm. euh, auparavant, c'était un exécuteur testamentaire. Il y a même des gens, des fois, qui me disent tuteur. Donc, c'est un terme oui. qui circulait dans le temps. Euh, mais euh, maintenant, c'est un liquidateur. Mais effectivement, que ça désigne oui, la, la, la même, même personne, la même fonction. Bon, ok. Alors, ne <laughs> craignez rien si vous voulez écrire. De, si vous faites un un testament holographe, vous pouvez exé écrire exécuteur testamentaire, il n'y a pas de problème, ce sera bien compris. Oui, c'est ça. <laughs> Alors, qu'est-ce que c'est qu'un liquidateur? Quelles sont ses responsabilités? Le liquidateur, c'est celui qui a été nommé pour régler la succession, mm -hmm. qui est en charge du règlement de la succession. Donc, c'est celui qui va devoir faire les recherches testamentaires, c'est celui qui va devoir euh, faire les impôts, payer les factures, encaisser les chèques, euh, s'il y a une résidence, donc euh, vendre la résidence, mm -hmm. euh, faire les transferts. Donc, c'est vraiment la personne qui administre le bien, euh, les biens, pendant le temps du règlement de la succession. Donc, c'est un administrateur du bien d'autrui pendant quelques temps. C'est ce genre ce de grandes responsabilités auxquelles il doit faire oui, face. Oui, absolument. absolument. Euh, puis il y a différentes obligations, donc différentes choses, différentes étapes qu'il doit suivre qui sont mentionnées dans la loi. Mm -hmm. Alors, les recherches testamentaires, c'est une bonne occasion aussi pour le notaire de rencontrer le liquidateur pour oui. lui expliquer qu'est-ce qu'il va devoir faire et qu'est-ce que les héritiers peuvent exiger de lui également. Bon, OK. Vous avez un peu devancé ma question. Je pensais justement <laughs> euh, aux autres héritiers. Euh, ils peuvent faire confiance à la personne, oui, mais s'il l'aime pas, s'il voulait quelqu'un d'autre, est-ce que ça peut créer un problème ou on doit s'en tenir vraiment euh, au liquidateur qui est, qui est mentionné Il faut s'en tenir au liquidateur oui. qui a été mentionné. Toutefois, on a l'occasion de lui demander de rendre des comptes à différents oui. moments dans le règlement de la succession. Donc, dans le premier six mois de la succession. On peut lui exiger de faire un inventaire des biens mm -hmm. qui vient résumer sommairement quels sont les actifs et le passif. L'actif et le passif de la succession. Et à la toute fin, on peut lui demander une reddition de compte de oui. son administration pour voir qu'est-ce qui explique en fait le chèque que je, re je reçois versus les actifs qu'il y avait mm -hmm. dans la succession. Donc, demander des pièces justificatives, oui. les dépenses. Très important. Donc, euh, le liquidateur est redevable de ces informations-là aux héritiers. OK. Est-ce qu'on devrait prévoir dans le testament une rémunération ou remboursement de certaines dépenses qu'a le, le liquidateur à faire, à un des déplacements ou quoi que ce soit? Là? Bien, en fait, c'est. À mon sens, à moi, très important de le prévoir. Mm -hmm. euh, ça ne l'était pas beaucoup dans le temps. Maintenant, de plus en plus, on sensibilise les gens à ça, surtout dans une situation où il y a plusieurs héritiers oui. et il y a un liquidateur. Donc, euh, le liquidateur, des fois, n'est pas nécessairement toujours héritier. Mm -hmm. Il peut être héritier aussi, oui. sauf que sa part ne sera pas plus grande du fait qu'il a réglé la succession. Donc, oui. c'est important de le dédommager, de prévoir un montant forfaitaire et de prévoir au minimum le remboursement de ses dépenses et de ses frais de déplacement. Donc c'est vraiment quelque chose. C'est très apprécié des liquidateurs également. Ça n'a pas besoin d'être un gros montant. Non non non. Mais euh, c'est un, euh... Une récompense. Exactement. Ça une récompense. Surtout si le liquidateur n'est pas un héritier. C'est d'autant plus, plus pertinent. Plus... Ben, oui. Absolument absolument. De, de, de récompenser la personne pour euh, tous les efforts et le temps qu'elle a investi euh, oui. dans la succession. Oui oui oui. Mais il faut. On, de plus en plus, on sensibilise les gens à prévoir ce type de. de, de, de de d'appréciation. Mmh. Ma prochaine question, je la lis parce que, en tout cas pour moi, c'est un petit peu compliqué. <laughs> Est-ce possible de prévoir au testament des clauses spécifiques assurant la protection du patrimoine légué à des enfants ou des petits-enfants en bas âge Oui. Donc, ce qu'on veut dire par cette question-là, c'est... Lorsqu'on a des enfants qui sont mineurs ou lorsqu'on a des petits-enfants et qu'on ne veut pas qu'ils aient l'argent trop tôt, mm -hmm. est-ce que c'est possible de le prévoir dans un testament? Donc, effectivement, que oui, il y a des clauses qui sont prévues pour ça. Donc, dans le testament notarié, c'est le genre de question qu'on va poser à nos clients. On va leur demander est-ce que vous voulez que l'argent que vous leur laissez leur soit remis à 18 ans ou si vous préférez différer un petit peu le moment de la remise mm -hmm. Est-ce qu'on peut y aller de façon graduelle Oui. Donc, prévoir en fait des pourcentages. Et euh, on prévoit également la personne qui va gérer, gérer. cet argent-là. Donc, ça nous permet de contrôler un peu bien, le moment où on va remettre l'argent, puis mm -hmm. qui va gérer cet argent-là pendant le temps euh, nécessaire. Alors, effectivement, que c'est possible de prévoir ça, et les gens l'apprécient beaucoup, oui. parce qu'on euh, ne veut pas que cet argent-là soit gaspillé non plus, et que ce soit il faut, euh, il faut surtout pas. mal utilisé. Bien, ça m'amène une autre question. Bon, j'ai des enfants mineurs, je n'ai plus, plus d'épouse, elle est décédée ou quoi que ce soit, et je décède... Et là, j'ai nommé, par exemple, je ne sais pas, moi, ma sœur comme euh, liquidateur. À ce moment-là, est-ce est qu'on la met aussi comme héritière ou si un peu comme tantôt, on prévoit, euh, bien sûr, les rembourser les dépenses ou euh, autre chose bien, euh, on peut faire à peu près n'importe quoi dans un testament. Oui. On peut prévoir n'importe quoi. Donc c'est pas parce que quelqu'un est nommé liquidateur mm -hmm. euh, qu'il doit absolument être héritier. Donc ça okay. peut être quelqu'un de totalement étranger également. Et le liquidateur n'a pas à être non plus l'administrateur des biens pour des enfants mineurs. Ça mm -hmm. peut être totalement une autre personne. Okay. Hein? Donc il y, y a pas de règle. Il faut vraiment y aller un petit peu avec euh, ce qu'on ressent et les personnes dans qui on a confiance aussi. C'est bien oui. important. Ah, très important. Toujours dans le même bord d'idée, mais s'il n'y en a pas de testament, quelles sont les obligations? Oui. Donc euh, pour si, les enfants, là. Oui, c'est ça. Donc, la difficulté lorsque des enfants mineurs, puis qu'on n'a pas de testament, mm -hmm. en fait, c'est que la loi vient nous dire que dans la mesure où des enfants mineurs héritent d'une somme ou de biens de valeur supérieure à 25 000 mm -hmm. on doit constituer un conseil de tutelle qu'on appelle. Donc, ça, ce que c'est, en fait, c'est qu'on réunit au minimum cinq personnes de la famille qui, elles, vont venir déterminer qui va s'occuper de cet argent-là. Mm -hmm. Ils vont nommer une autre personne qui va surveiller celle qui va s'en occuper. OK. Et le curateur public va demander une reddition de compte à toutes les années de la gestion des fonds qui sont faites, euh, donc, par la personne qui a été choisie. Alors, euh, le fait d'avoir un testament notarié, puis de prévoir la clause dont je vous parlais tout à l'heure, mm -hmm. permet de court-circuiter ça. Donc, okay. d'éviter que le curateur public soit impliqué dans nos choses. Donc, euh, juste pour ça, euh, c'est quand, euh, quand même une bonne raison de faire un oui. testament notarié. <rire> <rire> Tout à fait. Puis, encore là, bien, ça, ça l'étire le, 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 <coughs> le temps de, de, de règlement. Oui. Puis, Puis euh, Est-ce que ça doit entraîner des coûts? Absolument, aussi? des coûts qui sont appréciables. Là. OK. Mm -hmm. Est-ce possible de protéger les biens légués de, euh, euh, de nos héritiers, à leurs créanciers, tout ça? Là? Oui. Donc, dans les testaments, encore là, notarié, on vient prévoir des clauses d'insaisissabilité. Donc, on vient dire que on veut que tout ce qu'on laisse à nos héritiers soit insaisissable entre leurs mains pour une période qui varie habituellement entre 20 et 30 ans. Donc, les gens, lorsqu'ils reçoivent l'héritage et qu'il y a une clause d'insaisissabilité mm -hmm. dans le testament, donc peuvent euh, protéger ces biens-là de toute saisie de leurs créanciers à eux. Alors c'est quand même pas négligeable. Ah, ok, là. les créanciers des héritiers. Absolument, absolument, okay. absolument. Et euh, la loi le prévoit déjà, mais souvent ce qu'on vient dire aussi dans les testaments, c'est qu'on veut que euh, ce soit un bien qui est propre, donc on ne veut pas que l'ancien époux épouse d'un des héritiers mm -hmm. puisse venir mettre la main au moment du divorce sur une partie de l'héritage. Donc on vient protéger aussi effet-là. OK. Dernière question. Est-ce que le notaire va me conseiller sur l'impact fiscal de mes dispositions testamentaires là, oui. à l'égard de mes héritiers? Oui, oui, oui. C'est sûr que nous, on n'est pas des fiscalistes, donc on n'est pas des, spécialités, des, des spécialistes de la fiscalité, mais c'est sûr qu'on a certaines notions de base qui nous permettent de conseiller les gens par rapport à l'impact fiscal au moment du décès, parce qu'il y a un gros impact fiscal au moment d'un décès, dépendamment toujours du mm -hmm. patrimoine de la personne, oui. mais effectivement que ça, ça doit être pris en considération, puis il y a des réflexions qui doivent être faites par rapport à ça. Donc, des fois, des produits d'assurance-vie qui vont être contractés pour permettre de pallier l'impact fiscal, là, euh, euh, au moment du décès. Alors, il y a toute une réflexion qui doit être amorcée avec le notaire par rapport mm -hmm. à ça. Donc, c'est euh, quand même important. C'est ça, parce qu'on va parler de REER, de CELI, de, 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 de gains de capital si on a vendu quelque chose, là. Bien, Alors, absolument. ça peut être euh, plein de choses qui sont euh, Donc, impliquées dans ce processus-là. c'est toutes des choses qui doivent être prises en compte au moment de la rédaction mm -hmm. du testament. Maître Blais? Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Alors, euh, j'espère que le, le, les gens vont pouvoir réécouter plusieurs fois euh, l'émission qu'on vient de, de faire avec Maître Blais. N'hésitez pas à la contacter euh, et surtout, n'hésitez pas à faire un testament. Je pense qu'on a la preuve aujourd'hui euh, de, de l'importance, oui, d'en faire un. À la prochaine émission, je vais recevoir Maître Blais. Encore une fois, mais cette fois-ci, on va parler de procuration et de mandat. À la prochaine.